On va prendre le dongs. J'ai pas eu. Tire. Hein. Je me disais que j'avais déjà entendu cet air quelque part. En fait, c'est ce que joue à la guitare le dragon. Sauf que là, c'est différent. Ok, Mirage, Exécutionneur. On a Chaîne Ionée. Le combo est assez sympa, surtout qu'on a un Bruiser déjà posé sur le board. Donc, bah, moi je crois qu'on va poser Ionée plus Chaîne. Et on va essayer de trouver un autre Bruiser. Pardon. Exécutionneur, c'est assez fort. Sinon, Ezreal, père de Taric, avec une tire, si on a un statique, H, ça peut être vraiment stylé. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste poser la paire de Taric. Poser la paire de Taric, acheter le Kench. J'aimerais bien acheter Ezreal aussi. Mais je pense qu'à choisir entre les deux, je prends Kench plutôt. Tire cloak, pas idéal. On a un 3 jade si on veut. C'est assez fort, mais je crois que ce board va être plus fort. Ok. On va penser à acheter Gnar. Il faudra un item slammable, idéalement. Poche, statique. BT. Pine belt, please. Pine belt. Ok, on a BT. Achète le Gnar donc. On va attendre de voir ce qu'on a. Ça c'est cool en vrai. Ça nous donne une Sunfire, c'est très fort. Ouais, comme ça. Hein. Ok, Taric phase 2. On peut mettre un... Un 3 Jade. C'est ça. Hein. 3 Jade et on peut rentrer un truc en plus. Soit un Swift, soit un Shape. Pas de Swift, j'ai pas de Shape. Swift, pas de Shape. On va juste rentrer ça, je pense. On va tout mettre. Je pense qu'on va tout mettre sur Ionée. Acheter Karma. J'aime bien mon start. Acheter Sage. Ainsi, petite biscotte pour les 15 mois d'abonnement. On a un Ezreal. Malheureusement, je crois que c'est moins fort. Par contre, au prochain level avec Kiana, ce sera peut-être plus fort. On peut aussi jouer Karma plus 7 et mettre les items sur 7. S'il passe 2, c'est incroyable. Mais seulement s'il passe 2, là pour l'instant, il y en a plus fort. Oubliez que tout le monde a une Prisma. D'être compliqué. Ok, a priori on gagne ça. Il est resté 3, il a une fun mais... Comme s'il avait push et qu'il avait pas d'augmente. On va acheter la paire de Skarner quand même. Lee Sin pourrait être cool sinon. C'est quoi ce Shroud? C'est un Shroud radiant. C'est un Shroud amélioré. On a Anivia. Pour que Gnar. On doit vendre des trucs là, je pense qu'il faut faire de l'écho. Alors, qu'est-ce qu'on vend? Les deux Skarner plus Brome, ça fait 4. 5, 6. Et si on perd, je pense qu'on vend Kiana.
Et on gagne. Parfait. J'avais jamais vu. C'est normal, c'était... les items radiants, c'était le 7-5.5. C'était le 7-5.5. Et occasionnellement, tu pouvais les avoir pendant le 7-6. Et là, pendant le 7-7, c'est un augment prismatique, pareil. Donc c'est assez rare d'avoir un item radiant, mais ils existent depuis le 7-5.5. C'est des items en version améliorée. Toujours une tire. Je pense qu'on va prendre H-Gant. Ok. J'ai pas trop envie de prendre une belt. On va prendre une... on va prendre un gant parce qu'on va pouvoir slam la hoge. Et là, que fait-on? On va faire ça. Je pense que si on gagne, peut-être on vend tout le bench. Ça va être chaud de gagner. Hein. Ok. Ça passe, hein. Okay. Merci Sarah pour les 11 mois. Jouper l'arc lol. Ouais, après c'est pas impossible qu'on y repasse dans quelques jours. Ok. Lui, ça va être compliqué. Hein. On gagne? Incroyable. Demain, la nouvelle saison sur PBE. Le nouveau set, ouais, c'est demain. On va être occupé, quoi. On va vendre chaîne, vendre Rise. Mais je pense que ça, ça joue pas. On a Olaf. Une chaîne fait un meilleur taf. Gold. Un composant. Et un autre composant. Pas fou, mais. Ok. Ok, on a Lee Sin. On a plus Karma. On a plus Karma. On va vendre Olaf, je pense. On va mettre la belt, je pense, sur chaîne. Il va dégager. Et bah du coup, j'ai pas envie de push quoi, je pense pas pour garder ma win streak. Ouais, j'ai bien compris qu'il voulait jouer contre moi mais bon. Ok, le spell Anivia est légendaire. Tout le monde est bien positionné. A priori on gagne ça.
Nice. C'est Grace. Merci, merci Grace pour le Prime. Oh, c'est une game triple prismatique. Bon, on prend ça. Hein. On est quoi? Zeke trap toi. Je pense qu'on lui met tout, hein. Hitting fast, il y a un ultra Senna 3. C'est rigolo. Ok, je pense qu'on va déjà vendre ça et on va acheter ce shop plutôt sympa. Et je pense qu'on va jouer un truc dans le genre quoi. Ça va être Belt Nico et. Belt Nico et armure Shiryu. On va aller chercher Titan. Un truc comme ça je pense, on joue pas. Yo Castor, merci pour les 23 mois. Aïe aïe aïe, bientôt les 2 ans. Là, on va acheter Twitch. Peut-être déjà mieux que H. Ouais, en vrai, cette H elle sert à rien. On va peut-être jouer 9 jade, je sais pas, on verra. Oh, y a un truc sympa. Là, y a plus de trucs sympas. Pas fou hein. Je vais faire ce setup. Incroyable. C'est pas avec le reste de l'équipe en vocal. Ça joue pas encore. Ça joue à 16h30. Je vais écrire un truc, je pense, pour notifier ça, je crois, parce que là. Attendez. Écrire un petit message. Ah non, j'ai pas envie d'écrire un message parce que si après la vidéo elle va sur YouTube, ça.
Ça va niquer la VOD avec ce message de merde. Désolé les gars. Nice. Je peux avoir des games comme ça aujourd'hui. Ah. Ok. Bon, on avance, hein. On va se faire chier. Merci Chassement pour le Prime, merci Soupe de Coude pour les 8 mois, merci Urbo pour les 16. Oh, c'est push roll hein. Merci de taper tout doux. Merci pour les 5 gifts. Ah bah. Ah bah, ah bah. Ah bah, ok. J'ai besoin de GS, oui. Et je sais pas. Globalement pas trop hein. Je pense qu'il y a un statique qui part là. Facile ce jeu. Ça commence pas maintenant les Twitch Rivals, c'est à 16h30. C'est à 16h30, il y a eu erreur sur la sur l'heure. Sorry.
J'ai envie de rebuild Anivia, mais... Attendez deux secondes les gars, j'ai un truc à gérer. Non, c'est trop. Ok, je perds ma win streak de 15 parce que je ne peux pas équiper un item. Quel jeu de merde, sérieux. Non mais c'est Turbo Shroud Diff ce fight. Et le pire c'est que... Ah ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'avais un bon Shroud et je peux pas l'équiper sur Taric.
Ok. Je pense que H va pas rester en vrai. Ça me pète les couilles. Oh, 2 secondes. Je déteste avoir à me focus sur plusieurs choses à la fois. Je... Légende à pop rock, ah c'était peut-être l'image. On va build un Yasuo avec Hoge QSS. On va pas garder Anivia. Tac, on va remove ça. Ok, Traplo, SO2, QSS, Hoge, Ginzu statique, Ginzu, Pike. Merde. C'est la comp. Il faut enlever Pike pour mettre un truc mieux. Alors on vire Taric et on se dit fuck Taric, tant pis tu vois. Tant pis pour Guardian. Je pense que c'est ça. Hein.
On en a pas assez pour le jouer, je pense. Ça coûte trop cher et je dois trouver mes légendaires avant. Moi je pense que Sona plus fort que Taric là, mais on perd Guardian après, très grave. On peut remake Shroud en vrai hein. J'ai une BF qui traîne. Une bétail à soi. Nice. Il reste plus que la mano. Bon, on peut y Ah.
chaud de perdre contre ça, quoi. Peut-être une idée pour le positionnement. Ouais, j'ai une idée pour le positionnement. Ah merde. Ah merde, j'ai pas donné la statue à chez eux. Mais bon, je suis beaucoup mieux positionné quoi. En fait, le seul détail que j'ai troll là, c'est la statue, mais tout le reste c'est parfait. En fait, contre les compos qui ont beaucoup de mêlée, il suffit juste de tout packer en fait, comme ça lui en fait il va faire une concave avec ses unités dans mon pack et il va se prendre ulti Bard, ulti Sona, ulti Nico, etc, etc. Alors que si je split tout, ça pue.